Redis-moi ce qu'il y a d'écrit. Grâce à la rose qui sous terre va pointer son nez, un nouvel indice vous découvrirez. Mais quelle rose ? On doit trouver cette rose. Ouvre bien l'œil. Regarde, là, une rose. Oh ! Attends, tiens-moi ça. D'accord. On dirait bien que c'est collé. J'y arrive pas. Non, attends. Attends, je te dis. Ne tire pas dessus. Des flèches en plastique, elles sont fausses. Tu vas bien? Ouais, ça va. S'il y a un piège là, c'est qu'on doit être tout près. Une rose sous terre. Trop cool ce truc. Quelques bombes tu effectueras et en tournant la croix, ton chemin tu trouveras. Une croix? Mais il y en a partout ici. Et ces bombes, c'est quoi? J'en sais rien. Mais oui, voilà, une marelle, tout s'explique. Bien sûr. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres flèches? J'ai pas l'impression. Tu y vas ou j'y vais? Après toi. Ok. C'est simple comme bonjour. T'as qu'à continuer. Mais oui, ça craint rien. Je t'aiderai. Bon, d'accord. C'est bien, continue. Bien joué. Et toi, ça va? Oui, oui. On doit continuer. En tournant la croix, ton chemin, tu trouveras. Oh ! Où est-ce qu'on peut bien être ? Aucune idée. T'as vu ce drôle de coffre ?
T'es prêt? Et regarde. Oh. Bien des richesses ce coffre t'apportera. Tant qu'une alliance toujours existera, à tout prix, la clé tu trouveras, ou le trésor à tout jamais disparaîtra. Et c'est signé Alexandre von Brahms. Alexandre von Brahms? Salut les enfants! Oh, le concert est déjà complet! Oh non! Je veux aller voir Ekibi, moi! Oh mais oui, bien sûr, ma chérie, tu vas aller le voir. Papa va arranger ça. Non, évidemment, papa va régler le problème. Oh, attends, je m'en charge. Oh, Dino, toujours aussi galant, merci. Ce coffre était introuvable depuis 250 ans, avant que Maya et Jerry ne le découvrent. Mais qu'est-ce qu'il contient? Nous l'ignorons. Nous n'avons pas pu l'ouvrir. Voyez-vous, Alexandre von Brahms n'était pas seulement le compositeur que nous connaissons, c'était également un brillant inventeur. C'est à lui que nous devons cet orgue que vous voyez. Excusez-moi une seconde. Oh, mes chers petits trésors, vous êtes là. Oh, les billets se vendent comme des pains bénis. Et ce n'est pas tout, j'ai une excellente nouvelle. Le duo von Brahms a accepté de venir jouer pour nous. Les descendants d'Alexandre von Brahms? C'est ça. Ils étaient tellement contents que le coffre ait été retrouvé qu'ils ont accepté de donner un concert ici gratuitement. Oh, c'est génial, de la musique classique. Oui, c'est cool. Oui, c'est fantastique. Figurez-vous que Ronnie est un de leurs fans. Il est enchanté à l'idée de pouvoir jouer avec eux. Coucou. Hey. Ce coffre est une bénédiction. Oh oui, notre église va pouvoir être rénovée. Grâce à vous, mes chers petits anges, tous nos problèmes sont réglés. Il se trouve que nous rencontrons un léger problème. Regardez l'état de ce toit. Toute la structure est pourrie. Elle pourrait s'effondrer d'une minute à l'autre. Nous allons devoir tout reconstruire. Mais bien sûr, ça va coûter cher. Il faudra payer les matériaux supplémentaires, les ouvriers et mon salaire. Au total, je dirais que ça devrait s'élever à cette somme-là. Et il me la faut aujourd'hui. Oh, je ne dispose pas d'autant d'argent. Vraiment? Mais l'exposition fonctionne très bien, alors nous devrions avoir la somme nécessaire d'ici un mois environ. Hein? Dans un mois? Non, demain au plus tard, où je demande à mes ouvriers de remballer. Il y a forcément une solution. Peut-être que Jerry et moi, on pourrait raconter comment on a trouvé le coffre. Oui, un peu comme une visite guidée de la crypte. Mes chers petits, vous feriez ça? Oh, je suis certaine que ça fonctionnerait. Oh, nous y voilà. Oui, où est donc ce coffre? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est le duo von Brahms? Vous devez être Julie von Brahms, je me trompe. Oui, tout à fait, je suis bien Julie von Brahms. Enchanté, Ronnie Svensson. C'est moi qui aurai l'immense honneur de vous accompagner sur l'orgue d'Alexandre von Brahms. Oh, eh bien, nous attendons ce moment avec impatience. Laissez-moi vous présenter mon fils, il s'appelle Richard. Bienvenue à Valby, c'est un tel honneur de vous voir parmi nous. Oui, j'en suis consciente. Alors, où se trouve donc ce fameux coffre? Il est juste là. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Salut, Julie. Wesley? Wesley? Vous vous connaissez? Wesley von Brahms, je suis le petit frère de Julie. Enchanté de vous rencontrer, etc., etc. Dites, comment j'ouvre ce truc? Je ne trouve pas la serrure. On ne sait pas trop. Maman! Mais enfin, ne jouez pas avec ça, vous allez finir par l'abîmer. À vrai dire, monsieur Lavorton, ce coffre appartient au von Brahms et j'ai le droit de faire ce que je veux puisqu'il est à moi. Comment ça, à toi? Je te signale que je suis l'aîné, ce coffre m'appartient.
Quoi? Mais attendez, vous ne comptez tout de même pas nous le prendre? Mais si. Alexandre von Brom, c'est notre ancêtre après tout. Donc ce coffre nous revient de droit, c'est évident. Oui, mais en ce qui concerne notre exposition, comment allons-nous faire pour financer les réparations de l'église sans cet argent? Oui, bah quoi, en quoi est-ce que c'est mon problème? Assez de blabla inutile. Oui. J'emmène le coffre et c'est ainsi. Oui, et quoi? Ce coffre est à moitié à moi aussi. Pourquoi est-ce que ça serait toi qui en hériterais? Eh, il est aussi un tiers à moi, pas vrai, maman? Et d'où est-ce que ça sort, ça? Tu crois pouvoir couper la part de ta mère en deux? Rends-moi ça! Il n'en est pas question. En attendant, vous pourriez peut-être nous le prêter, au moins. C'est une très mauvaise idée. Oh, je sais. Nous laisserons le coffre ici tant que nous ne serons pas tous tombés d'accord. Et après le concert, je me chargerai de venir le chercher pour l'emmener. Oui, enfin non, qu'est-ce que je raconte? Nous reviendrons le chercher. Où ai-je la tête? Quelle étourdie. Maman, moi aussi j'ai le droit à ma part. Mais tu n'es qu'un gamin. Oh, je te signale que Richard a autant de droits que toi. Hey, dis-moi, j'avais jamais remarqué ton double menton, ça doit être à force de râler. Oh. Oui, voilà, exactement comme ça. Moi qui avais tellement hâte de les rencontrer, maintenant je voudrais qu'ils n'aient jamais mis les pieds dans notre église. Ne nous emballons pas, une bonne nuit de sommeil les fera sans doute changer d'avis. Non, mais si jamais ce n'était pas le cas. Ronnie, ne perdons pas espoir. Julie! Julie! Je veux juste te parler 2 minutes. Écoute, Julie, écoute, cette histoire... Figure-toi que nous n'avons rien à nous dire, très cher. Au revoir, Wesley. Je te préviens, je quitterai pas Valby tant que j'aurai pas eu ce que je veux. T'as entendu? Ah non. J'aurais tellement aimé avoir une place. Regarde qui est là. Combien c'est payé? Non, 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 non. Tu rigoles, là, j'en veux le double. Ouais, là, ça me va. Entendu, ça marche. Allez, salut. Richard, viens là. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Ricky B passe en concert ce soir. Et alors? J'ai réussi à avoir une place. Oh, il en est absolument pas question. Aucun von Brahms dit de ce nom n'écoute ce genre de boucan. Ce n'est en rien de la musique. Je sais, mais je me disais que... En plus, il me semble que tu as grand besoin de répéter. Je te rappelle que tu as commis 2 erreurs lors de notre dernier concert à Rome. Oui, j'étais mais... absolument morte de honte. Quelle humiliation pour moi. Je suis désolée, maman, mais c'était parce que... Maman, s'il te plaît... Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Dis donc, elle n'a pas l'air facile. Pauvre Richard. Seigneur, vous avez eu la bonté de nous envoyer un moyen de sauver notre église. Mais aujourd'hui, vous nous avez également envoyé ces personnes qui cherchent à nous le reprendre. Oh, ne pourriez-vous pas les faire changer d'avis? C'est pour une bonne cause, après tout. Si jamais vous avez l'intention de les empêcher de nuire à notre église, faites-moi un signe. Oh, non. Je vous prie de m'excuser, c'était présomptueux de ma part, je suis désolée. Oh! Seigneur? C'est vous, Seigneur? Seigneur? Ouh! Oh! Oui. C'était bien un signe de Dieu. Seigneur, vous êtes là? Mais... Seigneur? Oh. Seigneur? Seigneur? S'il vous plaît, ouvrez-moi, s'il vous plaît. J'ai compris le message. J'ai compris, merci. C'est bon, merci, Seigneur. Quoi? Ricky a glissé et s'est blessé à la main pendant le concert qu'il donnait hier soir. Malgré la douleur, il a donné le meilleur de lui-même. La classe. C'est bizarre. La porte est fermée. Ce n'est pas le genre de Madame le Pasteur de ne pas se réveiller. C'est vrai. Et surtout pas un jour comme aujourd'hui. On devrait aller vérifier la porte arrière.
Écoute ça. Personne ne connaît la véritable identité de ce chanteur masqué, mais en l'entendant interpréter tous ses tubes, la foule était en délire. Oh, quand je pense qu'on a raté ça! Mais au moins, on pourra assister au concert du duo Van Brahms. Waouh, tu parles d'une consolation. Hé, regarde! Bizarre, ça. Y'a quelqu'un? Oh, merci. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oh, Dieu m'a puni parce que je crains d'avoir eu des pensées impures. Impures? Oui. Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de Dieu. Oh, où est notre coffre? On l'a dérobé. Oh. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Oh. Vous n'avez rien? Oh, vous saignez. Ça va, je vais bien. J'ai essayé de me débarrasser de cette maudite corde des heures et des heures du mois. Oh, mon pauvre ami. Oh non, le coffre, il a disparu? Oui, c'est une tragédie. Vous n'avez rien vu? J'ai cru entendre quelque chose, mais ensuite on m'a cogné à la tête. Et puis, lorsqu'enfin j'ai retrouvé mes esprits et je suis revenu à moi, voilà ce qu'on m'avait fait. On m'avait attaché. Quelle horreur. Oui. Faites-moi voir ça. Ça relève de la police. Ah, attention. Oh, désolée. Ici le chef de la police, je suis à la pêche. C'est Maya, vous êtes occupée? Oui. Vous devez venir à l'église tout de suite. Entendu, j'arrive tout de suite. Il faut croire que ce coffre a beaucoup de valeur. Sinon, il n'aurait pas été volé. Un indice? Non, rien du tout. Le voleur devait porter des gants. Dommage. Regardez, des traces de sang. Apparemment, il s'est aussi coupé. Bien joué, Maya. Ça nous fait déjà une piste. Bon, entrons. Non, oh, maintenant, c'est sûr, on ne pourra pas payer les rénovations. Il ne faut pas se laisser abattre. Nous parviendrons bien à mettre la main sur un simple voleur. Vous pensez vraiment? Oh oui, j'en suis certain. Vous trouvez quelque chose? Rien. Avec ces deux-là, rien n'est impossible. Je crois qu'une petite conversation avec la famille Van Brahms s'impose. Comment est-elle, cette Julie Van Brahms? Comment ça? Elle est d'une beauté mordante, non? Mordante, je crois que c'est le mot juste. Bien. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Notre coffre a été dérobé! Notre coffre a été dérobé! Laisse-moi régler ça seule! Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Attendez. Calmez-vous, ma petite dame. Pardon, excusez-moi, je ne suis ni petite ni votre dame, inspecteur. Je suis la victime d'un vol. Oui. J'ai été offensée. Oui. Je voudrais savoir ce que vous allez faire pour y remédier. Eh bien, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je vous prie de le croire. Votre pouvoir? Voilà qui me rassure beaucoup. Je suis allée jouer à New York, Londres, Paris et... Tiruvananthapuram. Voilà, précisément. Et aujourd'hui, un tout petit policier de rien du tout. Dans une toute petite ville. Oui, rien du vraiment. Tout. A le culot de m'appeler sa petite dame, il me dit qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir. Je suis désolée, mais... C'est inacceptable, révoltant. Mais nous ne sommes peut-être pas à New York. Mais à Valby, on coince toujours les méchants, madame. Pas vrai? Ah oui, c'est vrai. À tous les coups. Absolument. Mais que font-ils là, eux? Ils sont très compétents et j'ai toute confiance en eux. Ah oui? Ah oui? Oui. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous donc d'aller m'attraper, ce fichu voleur! Mais... Ah oui. Attendez! Attendez! Je dois d'abord vous demander quelque chose.
Je pose ces questions à tous les suspects. Les suspects? Mais qui ça, nous? Sérieux? Comment ça, inspecteur? Vous n'êtes tout de même pas sérieusement en train de m'accuser d'avoir volé mon propre coffre, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Oh, si. Mais non, je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Je vous assure que je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Je n'ai rien dit de tel. Il veut juste savoir ce que vous avez fait hier en quittant l'église. Voilà, exactement. Je te remercie. Julie? Oui? Oh, moi, je ne vois pas ce que ça a à voir avec tout ça. Mais j'ai dîné à notre hôtel, et ensuite je me suis couchée de bonne heure. J'accorde beaucoup d'importance au sommeil. Je vois. Et vous? Richard. Oui, vous? Je crois que j'ai répété mon violon toute la nuit. Non, je dirais jusqu'à environ minuit, et ensuite je suis allée dormir. Oui, je vous le confirme, en effet. Je pouvais l'entendre jouer de ma chambre. Et quant à vous? Eh oh. Moi, oui, j'ai dormi toute la nuit. Le sommeil, faut... Hein, Vous étiez à l'hôtel, c'est ça? Évidemment. Est-ce que quelqu'un vous y a vu? Vous savez, je commence à n'avoir plus qu'assez de toutes vos insinuations. Nous n'allons pas gâcher une minute de plus de votre précieux temps. Vous pouvez y aller. Bien. Ça s'est bien passé, non? Il est vital que l'on retrouve ce coffre aussi vite que possible, les enfants. Vous êtes d'accord? Oui. Ensuite, vous pourrez retourner à vos occupations. Et moi, mienne, je pourrai retourner pêcher. Si on résume, le mystérieux coffre d'Alexandre von Broms a été volé. Comme par hasard, très peu de temps après l'arrivée de trois de ses descendants. Qui veulent tous le coffre? Julie. Loupé. Richard. Loupé. Et Wesley. Von Broms. Encore loupé. Ce qu'on ne loupe pas, c'est qu'ils sont suspects. Ils n'étaient pas d'accord sur celui qui allait garder le coffre. Et pourquoi partager quand on peut l'avoir en entier pour soi? Ils prétendent être restés dans leur chambre. L'un d'entre eux serait-il le coupable? Oui, mais lequel? Richard avait un bandage à la main. Ça pourrait être une piste, non? Bingo! Allez, viens! Salut, Ronnie! Chut! Jolie musique. Magnifique! Ce sont les Von Broms qu'on entend. J'ai tout leur CD, bien entendu. C'est Richard qui joue là? Absolument! Le jeune virtuose est en train de répéter. Il a répété aussi hier? Oh oui, oui, tout à fait. Ça a duré toute la soirée. Oh, il faut dire qu'il a besoin de répéter. Il fait sans cesse la même erreur, encore et encore et encore. La même erreur à chaque fois? Espérons qu'il ne la fera pas pendant le concert. Est-ce que vous avez vu Julie ou Richard sortir hier soir? Non, pas que je me souvienne. Vous étiez là toute la nuit? Parfaitement, sauf quand j'étais dans la cuisine. Et à quelle heure est-ce que c'était? Je dirais vers 20h30. Et Wesley? Wesley? Qui c'est ça? Wesley von Broms, le frère de Julie. Non, je ne l'ai pas vu, lui, mais je peux vérifier. Wesley... Eh bien non, je n'ai personne enregistré à ce nom-là. D'accord, merci. Oh! T'as vu ça? Regarde! Madame, seriez-vous intéressée par mon CD? Non, vous êtes sûre? D'accord. Wesley a pourtant dit qu'il logeait dans cet hôtel. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait menti? Où il est descendu dans ce cas? J'en sais rien. Il n'y a qu'un seul hôtel à Valby, alors que sait-on sur lui? Oh, regardez, mesdames, il y a ma tête sur la pochette de cet album. Je peux vous montrer? Ça ne vous intéresse pas? Bon... Sur Internet, ils disent qu'il a 42 ans. Chanteur de musique de salon, auteur des tubes, Karen Majoli, Mon chien Lucas et Seul à nouveau. Oh, écoute ça! Wesley faisait autrefois partie du duo Von Broms avec sa sœur. Quoi? Oh, dites donc, il a l'air bien cet album. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé d'abandonner Julie pour se consacrer à une carrière en solo. Je comprends mieux pourquoi ils sont en froid. Oh, il s'échappe!
En tout cas, je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Et toi? Non, il faut croire que sa carrière solo n'a jamais décollé. Ce sont les aléas de la vie. Mais sans succès, plus d'argent. Et si c'était ce qui l'avait poussé à voler le coffre? Ça se tient. À l'aide! On vient de me dépouiller! C'est la voix de Wesley! Ma bague! Ma bague! S'il vous plaît, rattrapez-le, vite! Attention! Ne le lâche pas! Mais où tu vas? Prends un raccourci! Où est-ce que tu crois aller comme ça? Je suis à la poursuite! Oh non, tu restes là, ma petite. Tu es déjà en retard. Il est temps de commencer la plonge. Allez, la vaisselle t'attend. Quoi? Vous, les apprentis. Vous prenez vos stages pour des vacances et vous ne faites aucun effort. Mais vous êtes là pour apprendre et pour nous aider. Alors voilà la vaisselle. Tu as intérêt à très vite me laver toute cette pile. Tenez. Pourquoi? Et ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et encore ça. Merci beaucoup. C'était très instructif. Reviens ici immédiatement, espèce de sale et cervelée. Je te dis de revenir tout de suite. Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Vite par là. Oh. Oui? Oh, désolée. Là! Arrêtez! La bague! Ah, tiens. Dino? Ah, oh, je... C'est-à-dire... Tu es vraiment sérieux? Oh, Sarah... Caramilla! Oh, ma chérie! Elle est à nous! Désolée! Elle nous a échappé des mains! T'es sûr que c'est la bonne? Mais oui, certain! Regarde! Il y a une inscription! Ça dit tous ou rien! Laisse-moi voir! On ne dit pas juste tout ou rien! Jerry, Maya! Regardez ça! Belle prise, hein! On en a fait une aussi! Oui, on a remis la main là-dessus! Par contre... Le voleur s'est enfui. Oh, je vois. Mais au moins, on a... Le nom d'un chien. Oh non, la bague. Je vais le suivre. Il faut rattraper. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon pneu est à plat. Où est-ce qu'il est passé? Mince. Il y a quelque chose d'écrit. Maya. On ne voit que A et N. C'est fichu. Mon vélo est définitivement hors course. A et N, en, comme dans pantalon, danse, chance, France, chimpanzé. Oh, ça pourrait être n'importe quoi. Maya, viens voir ça. J'ai peut-être une idée. Tu trouves pas qu'on dirait un fruit? Alors notre voleur travaillerait dans l'industrie fruitière? C'est bizarre. Ça pourrait être un citron, ou en tout cas un agrume. Un nom d'agrume qui contiendrait le son en. Il faudrait trouver une liste. Regarde. Bigaradier, citron, pomelos, kumquat, mineola, clémentine, orange, pamplemousse... Hein? Redis-le. Hein? Répète, s'il te plaît. Pamplemousse? Non, juste avant. Orange? Mm-hmm. Orange? Ça marche, c'est bon. Mm-hmm. Alors, il faut qu'on parle à Wesley. Il va devoir nous expliquer certaines choses. Mon petit trésor, tu sais à quel point je t'adore. Salut. Hé, vous. Oh, c'est vous. Salut. Vous avez réussi à attraper le voleur. Vous savez, moi aussi, j'aurais voulu lui courir après, mais j'avais trop mal aux dents, bras, genoux, ligaments. Aïe, 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 vous voyez. Il y a quoi dans votre dos? Rien du tout. Je vois bien que vous cachez quelque chose. Là, montrez-nous ce que je c'est. Je ne cache absolument rien. Si, vous entendez ça? Voix. Chut. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'était rien. Autant pour moi. Salut. Non. Hey, attendez. Y a personne. Je vous dis que je suis pas là. Vous vivez dans votre voiture?
quelle question? Bien sûr que non. Est-ce que vous en êtes sûr? Je ne vis pas dans ma voiture, je... Bon, d'accord. Malheureusement, c'est vrai. Mais pourquoi donc? Parce que je n'ai pas vendu suffisamment de cet album. Un régal pour mes oreilles. Merci. Et qui a dit que je vous l'offrais, hein? C'est donc pour ça que vous avez volé le coffre? Non, je n'ai pas volé ce coffre. Ce n'était pas moi. Alors vous cachez quoi? Je voulais juste... Bon, ça va. C'est mon violon. Mais si ce n'est pas le coffre, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Je veux réintégrer le duo. Quoi? Hein? Je sais que c'était mal d'abandonner ma sœur comme ça et de voler son argent. J'aurais jamais dû. Vous l'avez volé? Ton doigt. Je l'ai abandonnée sur un quai, à la gare de Prague, et elle a dû faire de l'autostop. Et elle a fait tout le trajet avec un chauffeur de camion qui sentait le bouc. Alors il me semble que je devais lui présenter mes excuses, mais... Enfin... Vous avez été très cruel. Ah, merci, hein, et quel réconfort. Allez-y, appuyez là où ça fait mal. Enfoncez le couteau dans la plaie. Vous ne croyez pas que je souffre déjà assez comme ça? Je me sens très mal. Je sais que je devrais l'appeler. L'obliger, enfin, à m'écouter. Et lui dire ce que j'aurais déjà dû lui dire, comme que je suis... Enfin, bref. Maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est me prendre tout ce que j'ai jusqu'à ma bague. Je dois dire que je le crois, moi. Oui, moi aussi, mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait votre bague? Alexandre von Broms, mon arrière-arrière, on s'en fiche, a légué une bague à chacun de ses trois enfants et héritiers après sa mort et qu'ils ont ensuite eux-mêmes transmise à leurs descendants à travers les âges, des Bédouins à Jésus-Christ, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Richard et Julie ont chacun leur bague, mais selon la légende, les trois anneaux ne fonctionnent que lorsqu'ils sont réunis. Tous ou rien? Oui, c'est ce qui est écrit dedans. Oui. Exactement, mais ce que je veux savoir, c'est si vous avez pu la récupérer. Non, la seule chose qu'on a récupérée, c'est ça. Vous savez ce que c'est? Non. On pense qu'il y a le mot orange. Pardon, orange? Comme Graham Orange, l'entrepreneur, le même qui s'occupe de ce bâtiment, là. Mais oui! Attention! Bonjour, messieurs! Faut pas jouer ici, les enfants. Mais on veut voir Graham Orange. Il est occupé. Mais ça ne sera pas long, monsieur. Il est occupé, j'ai dit. Oh, mais c'est urgent. Dites-nous au moins où le trouver. Là-haut. T'as vu? C'est l'homme qui a menacé d'interrompre les travaux de rénovation de l'église. On doit définitivement lui parler alors et tout de suite. Mais c'est trop haut pour qu'on y monte. Mais non. Non. Tu rigoles? Hors de question que je monte là-dedans. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Il suffit de ne pas regarder. Hé, hey, vous deux, redescendez de là tout de suite. La vue est magnifique. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Maya? Oui, il va falloir marcher un peu. Ok, quand je dirai 3, tu fais un grand pas en avant. 1, 2, et 3. Bien joué. Maya? Allez, viens avec moi. Wow. Ah, non, Maya! Oups. Allez, remonte. C'est bien, continue. Ok. Ne regarde pas. Il reste quelques pas à faire. T'es sûr que c'est bien par là? Oh, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, fais attention, il y a une corde juste devant toi. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, encore un grand pas. Comment vous avez fait? On a pris l'ascenseur. Est-ce que c'est cette folle de pasteur qui vous a envoyé? Il me semble avoir été suffisamment clair avec vous. Il nous faut cet argent demain. Passe-moi le crayon. Est-ce que c'est le vôtre?
Ne me dites pas que vous êtes monté jusqu'ici pour ça. Non, je ne mâche pas mes crayons. D'ailleurs, le mien est là. Qui d'autre pourrait en avoir un? Des tas de gens en ont un. On en a distribué bien 150 quand on est arrivé dans la région. Pourquoi vous demandez ça? C'est un voleur qui l'a laissé tomber. On pense que ça a un rapport avec la disparition d'un coffre de grande valeur. Où étiez-vous hier soir? Ma foi, je vais vous le dire tout de suite. Le bateau là-bas, vous le voyez? Mes hommes et moi, on était tous dessus, en train de fêter mes 50 ans. Oh. Est-ce qu'il dort? Jerry? T'as ouvert les yeux? Il n'a jamais été très fan de l'altitude. Bon, résumons. On sait qu'un coffre et une bague ont été volés. Quel est le rapport entre ces deux objets? Les Van Brams, ils possèdent chacun une des bagues. Et Wesley a parlé d'une légende selon laquelle séparément, elles ne fonctionneraient pas. Et dedans, l'inscription disait « tous ou rien ». Bien des richesses, ce coffre apportera tant qu'une alliance toujours existera. Une alliance? Mais oui, là une clé et là une serrure. Les bagues sont des clés. Sur le coffre, il y a trois serrures. Et il y a trois bagues. Le voleur en a une, mais il lui faut les trois pour ouvrir le coffre. Et Wesley nous a dit que Julie voulait récupérer l'argent qu'il lui avait volé. Et si elle avait volé la bague de Wesley? Et le coffre? Ronnie s'est absenté de l'accueil de l'hôtel vers 20h30. Julie a pu en profiter pour sortir voler le coffre. Non, nous ne pourrons jamais réunir l'argent nécessaire. C'est la fin des haricots. Nous allons devoir renoncer à recevoir nos paroissiens et peut-être même démolir notre belle église. Vous avez vu Julie et Richard? Pas depuis un moment, ils ont dû rentrer à l'hôtel. Les enfants! Pas de bonnes nouvelles, m'annoncer. On n'a pas retrouvé le coffre pour l'instant. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait comment l'ouvrir. Vraiment? En fait, les bagues des Von Brams servent de clés. Cela ferait vraiment une exposition magnifique, mais malheureusement, nous n'avons plus le coffre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Que se passe-t-il, Ronnie? À vrai dire, j'ai un petit peu faim. Pensez-vous avoir besoin de moi ou je peux aller manger? Prenez votre pause déjeuner, bien sûr. Oh, merci. Oh, pauvre Ronnie. Que va-t-il devenir? Dire qu'il est la 14e génération de sa famille à travailler dans cette église. Il y a toujours eu un membre de la famille Svensson ici et il aime tellement son travail. Mais nous allons retrouver le coffre et convaincre les Van Brams de nous laisser l'exposer. Ça vous permettra de payer les réparations? Dieu vous bénisse, mes enfants. Allons voir si Julie est à l'hôtel. Oh, regarde. Oui? Hé, hey, regardez où vous allez. Désolé. Alors, ils ont accepté la somme? Tu sais, je prends de grands risques pour toi. Alors, décide-toi. Oui, d'accord. Oui, ça a l'air super. Je t'embrasse, moi aussi. Oui, et passe le bonjour aux autres aussi. Oui, oui, bien sûr. Maya? Jerry? Oh, Dino. Salut. Tu vas bien ou quoi? Du nouveau? Tu parles, ouais. Je suis fou d'elle. C'est l'amour, Jerry. L'amour, Maya. Tu parles de Sarah? Ah, chut! Soyez discret. Pas si fort. Regardez-la. Elle est comme un divin petit gâteau. Un cappuccino bien crémeux. Un adorable petit biscuit. Au délicieux parfum. Et c'est mon gâteau à moi. Dès que j'ai vu cet anneau, j'ai su ce que je devais faire. Ta-ta-tin, ta-da. C'est joli. Joli? Mohamed Kara a dit qu'elle était très ancienne et unique, comme ma Sarah. Mais c'est quoi ce symbole-là? C'est le symbole de l'infini, de l'éternité. Oh. Je vais mettre un genou à terre et je vais lui chanter une chanson. Une chanson? Ouais, une chanson que j'aurais écrite. Écrite tout seul? Oh, ma Sarah, ma bien-aimée Sarah. Bonne chance, Dino. Sarah, épouse-moi. La 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 la. Julie Von Brams est là? Oui, elle est là. Madame Von Brams est dans sa chambre. Et c'est laquelle? La 248. D'accord. Pourquoi? Il faut qu'on lui pose des questions. Oh, désolée, mais elle a demandé à ne pas être dérangée.
Mais si... Elle a été très claire à ce sujet. Je ne veux pas qu'on me dérange. C'est très urgent, s'il vous plaît. Il faudra l'attendre. Si seulement on pouvait passer sans qu'il nous voie. Oh, bonjour. Je suis tellement contente de vous revoir. Toi, tu étais censée faire la vaisselle. Je sais, désolée, mais j'avais un rendez-vous urgent et je ne pouvais pas rester. Comment? Oups. Désolée, quel maladroit. Excusez-moi. Mais vous ne tournez vraiment pas rond tous les deux. Venez m'aider à nettoyer tout ce bazar. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Eh oh. Oh. J'aurais dû m'en douter. C'est toujours moi qui dois m'occuper de tout dans ce satané hôtel. Oh. 248. Room service. Room service. Oh. Attention, je vais entrer. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? C'est le room service. Oh, on peut toujours rêver pour avoir un pourboire dans ce pays. C'est mieux que l'autostop. Eh oh. Y a quelqu'un? Ouh. Ça en fait des fleurs. C'est une place de concert? Rikibi. Maya, il y a quelqu'un sous le lit. Quoi? On m'a tendu un piège, on m'a volé. Un voleur s'est introduit dans ma chambre pour me voler ma bague, il l'a dérobée. Votre bague? Quand ça? Il y a tout juste quelques minutes que c'est arrivé, c'est un bouquet géant qui m'a attaqué par surprise. Allô, inspecteur? Vous pouvez retrouver ma bague. On a besoin de vous à l'hôtel, tout de suite. Chut. Oui, Julie a été agressée. Ah, parfait. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'abord mon coffre et ma bague maintenant. C'est pourtant vous qui m'avez dit à Valpy, on coince toujours les méchants. C'est la vérité. Maya, le voleur a deux bagues sur trois maintenant. Il faut absolument qu'on lui mette la main dessus. De quoi est-ce que vous parlez exactement? Votre frère s'est aussi fait voler. Oh, mais alors ça veut dire que mon pauvre Richard... Et si le voleur avait prévu de s'en prendre ensuite à mon fils, faites quelque chose. On fonce, Maya. Hé, attendez. Vous n'allez tout de même pas partir en me laissant comme ça, ficelé comme un vulgaire gigot. Tout ça est ridicule, mais... Vite, l'inspecteur est déjà en chemin. Richard, ouvrez-nous. Il nous entend peut-être pas. La serrure. Poignée. Richard? Donc ça qu'il appelle répéter son violon. Et ça passe en boucle. La même erreur encore et encore. Du coup, il n'a plus d'alibi. Oui, oui, j'arrive. J'ai enfin tout ce qu'il faut. Je préférerais du liquide. D'accord, à tout de suite. Salut. Non, un taxi! S'il monte dedans, on pourra pas le suivre.
On va glisser ça dans ce sac. Pas le droit à l'erreur. D'abord, expire profondément. Oui, mais là, tu me déconcentres, Maya. Yes! On y est. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? À ton avis, il vient vendre le coffre. J'aimerais bien savoir combien. Allô? Oui, oui, il est là, tu te rends compte? Oh, je n'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Oui, dire qu'il est chez nous. Oh, évidemment, ça n'a pas été donné, tu t'en doutes. Oui. Mais elle va être tellement contente. Maman! Oh, attends une seconde. Oui, ma chérie? Maman! Il faut que je te laisse. J'arrive, ma chérie. Tu as la somme en liquide? Oui, je m'en suis occupée. Oh, laisse-moi lui donner alors. Oh, c'est tellement excitant. Regarde. Viens là. C'est quoi tout ça? Où est le coffre? Et la bague? Ça me rappelle... Rikipi! Tu crois que ce sac est à lui? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Richard? Ma valise? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est à vous? Mais ce sont les affaires de Rikibi. Oui. Et alors? Ça veut dire que vous seriez bien? Oui, je suis bien, Rikibi. Oh. Vous devez me promettre que vous garderez le secret, ok? Oui, mais pourquoi? À votre avis? Mais tout le monde adore Rikibi. Ah, ça non. Julie? Ma mère accepte seulement Richard von Brahms. Jamais un von Brahms ne fera de la musique pop. Elle déteste Rikibi. J'en suis pas si sûre. C'est pour ça que je m'habille comme ça, elle ne doit pas me reconnaître. Tiens ça. Ma mère aurait le cœur brisé si je quittais le duo, comme Wesley l'a déjà fait. Revivre ça serait trop dur. Vous vous êtes fait mal pendant le concert d'hier? Oui. Mais vous pouvez jouer du violon? Non. Je l'ai encore pas dit à ma mère. Les von Brahms n'annulent jamais un concert. Mais tôt ou tard, elle finira par le découvrir. Mais où est-ce qu'il est? Vu ce qu'on a payé, il a intérêt à arriver. Je dois y aller, mes fans m'attendent. Vous attendez quoi? Restez pas là. Do you know?
Vous avez été génial. J'ai adoré, c'était Merci. Super. Ça me fait plaisir. Mais maintenant, je dois me préparer pour le concert du duo Von Brahms. Où est-ce que vous avez mis mon sac? J'en sais rien, j'ai rien vu. Oh non, mais... alors? D'après ce que je vois, on n'est pas les seuls à s'être invités. Ça veut dire que maintenant, le voleur possède les trois clés et le coffre. Vite, le GPS! Ma bague! Elle était dans le sac. Ma mère va piquer une crise en l'apprenant. Ah ah! On le tient! On s'en occupe. Bah, et moi alors? Mais où est-ce qu'il va? Il s'est arrêté. Il fait demi-tour. Attends. Là! Non, non, on dirait qu'il est plutôt... Ah, vous êtes là. Salut. Je me suis occupé de Julie. Elle était furieuse. Et bizarrement, aussi très attirante. J'ai réussi à la calmer, mais elle s'inquiétait pour... C'est quoi, ça? C'est à nous. Mais... J'ai raté quelque chose ou quoi? Oui, venez avec nous. Fantastique! C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. C'est merveilleux, Richard, ça y est! Désormais, tu ne fais plus qu'un avec ta musique. Hein? C'est gentil, Julie. Wesley? Julie? Si je m'attendais. J'ignorais que tu avais toujours ton violon. Je croyais que tu l'avais vendu il y a déjà longtemps. Le vendre? T'es folle, alors. C'était bien, non? Je suis toujours au top niveau. Oui, bon, je sais que j'ai pas été très sympa, mais je me disais qu'on pourrait rejouer ensemble, non? Ah, je vois, c'était ça. C'est pour ça que tu es venue à Valby. Oui, non, enfin, oui, non. Tu oublies que tu m'as abandonnée. J'ai été obligée de rentrer en stop. Pire que tout, j'ai dû subir la compagnie d'un camionneur. Pas cool, mais... Est-ce que par hasard, tu pourrais envisager de me laisser une seconde chance? Ton acte était impardonnable, Wesley. En plus, il ne te serait pas venu à l'esprit d'avoir la décence de me présenter des excuses. Non, mais là, justement, je suis en train de le faire. Je ne suis qu'un pauvre bougre qui fait face à sa sœur pour lui dire qu'il est vraiment... Voilà. Qu'il est quoi? Oh, ben, je viens de le dire. Dire quoi, juste? Et ce truc que tu veux que je te dise, comme quoi je te demande vraiment... J'aimerais vraiment l'entendre. Je suis désolé. Je suis nav... Je suis vraiment... Je t'assure. Sauf que je n'ai toujours rien entendu. Je te demande de bien vouloir me pardonner. Bon, ça suffit, Wesley. Crache le morceau. Julie, je te supplie de bien vouloir accepter mes excuses. Ce que tu as fait ce jour-là, je ne pourrai jamais te le pardonner, Wesley. Je suppose que c'est pas le moment de te demander de l'argent. Non. Alors peut-être juste de quoi pouvoir manger. Un petit sandwich. Non, laisse tomber. J'ai pas faim de toute façon. Bien. Si on résume une fois de plus, qu'est-ce qu'on a? Pas de coffre. Pas de bague. Tout ce qu'on a, c'est trois suspects. Qui n'ont pas l'air si coupables que ça. Non. Wesley, on sait qu'il n'a pas volé le coffre. Tout ce qu'il veut, c'est réintégrer le duo et jouer avec sa sœur. On peut le rayer de notre liste. Ça ne peut pas non plus être Richard. Il était sur scène en tant que Ricky B ce soir-là. Quoi? Ricky B, alors, ce serait donc lui, Ricky? Et Julie, on ne sait pas exactement où elle était. En fait, je crois le savoir. Ah, au concert de Ricky B. Si elle était au concert... Ils ont tous un alibi. On est de retour à la case départ. Mais, qu'est-ce que ça peut être? Pasteur? Pasteur? Oui? Nous allons répéter avec l'organiste aussi. Ronnie? Oui, et tout de suite. Tout de suite? Oui.
Oh, il n'est pas encore arrivé. Je me demande où il peut bien être, alors. Oh, décidément, nous ne sommes pas aidés. S'il vous plaît, allez donc le chercher. Nous devons répéter avant l'arrivée du public. Bien sûr, oui. Je m'en occupe de ce pas. Ronnie ? Oh, c'est tout de même pas compliqué. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, je vous jure. Bon, allez, cœur. Voilà, je suis prête. Ah. Reprenons. Mais c'est quoi ton problème? Je peux savoir ce que tu fabriques? Vu le temps que tu as passé à répéter, je pensais que tu aurais fait des progrès. Mais là, on dirait plutôt un chat qu'on égorge. Je ne peux pas... Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas jouer. Comment ça? Je me suis foulé le pouce l'autre jour et c'est bien trop douloureux pour jouer. Mais Richard, mon pauvre! Et je peux savoir pourquoi tu n'as pas jugé bon de m'en parler? J'ai essayé plusieurs fois, figure-toi! Mais tu n'écoutes jamais rien! À la moindre erreur, tu perds ton sang-froid, tu disjonctes complètement! Mais je suis... Je suis... Je suis vraiment si terrible que ça? Je dirais ça, oui. Un peu. Misère. Je suis une vraie plaie. Oui, tu as tendance à l'être. Je suis désolée, tu sais, mais on va être obligé d'annuler. Les Von Brahms n'ont jamais annulé un seul de leurs concerts. On ne va pas commencer aujourd'hui. On va bien se débrouiller. Non. Il n'y a que moi qui me débrouillerai. Attends. Ça va lui plaire. Voilà pour vous. En fait, j'ai pas mon portefeuille. Oh non, c'est moi qui vous l'offre. Merci. Voilà. Aussi ça, de ma part. Oh, merci. Pour votre belle musique. Oh. Ah, vous êtes adorable, merci. J'aimerais avoir quelque chose à vous offrir en retour. Non, ce n'est pas nécessaire. Merci encore. Ah, en fait, si. Oui, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Si ça pouvait être payé, ça serait mieux. En fait, il s'agirait... Wesley. Julie. Salut, toi. Qu'est-ce qu'on a pu manquer ? Quel verre? Le morceau de verre qu'on a trouvé devant l'église. Mais réfléchissez, si quelqu'un avait voulu entrer par effraction, le bout de verre aurait été à l'intérieur et pas à l'extérieur. Tu veux dire que le voleur se trouvait déjà à l'intérieur? C'est parfaitement ça. Mais qui était là? Ça peut pas être Madame le Pasteur, elle était enfermée. On sait que le voleur s'est coupé. Il y avait du sang sur le verre. Et Ronnie était blessé à la main. C'est impossible que ce soit lui, il était ligoté. À vrai dire, pas tout à fait. Les cordes étaient pratiquement détachées quand on l'a retrouvé. Il voulait qu'on croie qu'il avait été attaché. Et surtout qu'on le croie innocent et qu'on aille soupçonner quelqu'un d'autre. Il se serait donc attaché lui-même? Exactement. Il a enfermé Madame le Pasteur, ensuite il a caché le coffre quelque part, et il s'est attaché et il a attendu qu'on le découvre. Non, mais non. Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Ronnie adore cette église. Mais d'après ce qu'on sait, sa famille y travaille depuis 14 générations. Alors la légende, il la connaît forcément. Et il a les trois bagues pour ouvrir le coffre. Attendez, attendez. Ronnie! Ronnie, ouvrez! On sait que vous êtes là. Poussez-vous. Regarde ça. Ça, c'est pas banal. Ils ressemblent tous trait pour trait à Ronnie. Mais où est-ce qu'il est passé? Bonne question. Il est là. Ronnie!
Revenez-la! Rapin, il vaut peut-être mieux se séparer. Mais d'accord, vous allez par là et moi par là. Mais Maya, c'est trop dangereux! Vous pouvez m'arrêter, ça n'a pas marché de toute façon. Les bads n'ont pas fonctionné. Ce fichu machin ne veut toujours pas s'ouvrir, ça ne marche pas. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous les avez entendus comme moi. C'est ça, l'égoïste avait l'intention de nous prendre le coffre sans aucun scrupule. Et notre église serait tombée en ruine. Alors vous avez volé le coffre pour sauver l'église? Oui, cette église, c'est chez moi. Elle a abrité ma famille pendant plus de 250 ans. Je n'avais pas l'intention de garder un seul centime de cet argent. J'avais prévu de faire un don de toute la somme anonymement. Enfin, ça n'a plus d'importance. Tenez, ce coffre ne s'ouvre pas. Il doit bien y avoir un moyen. On dirait que c'est coincé. Mais je vous l'avais bien dit. T'es prêt? Hein? On va utiliser la bonne vieille méthode. Qu'est-ce que tu fais, Maya? Non, Maya! Fais attention! Il s'ouvre! Waouh! Oh, une autre serrure? C'est quoi ce symbole? On dirait un 8, mais dans l'autre sens. Où le trésor à tout jamais disparaîtra. Le symbole de l'éternité. Dino! L'alliance de Dino. Tenez, gardez-le nous. On va revenir. Oh, mais on dirait bien. Mais qu'est-ce que tu fais, Dino? Allez, dis-moi, c'est quoi tout ce mystère? Sarah, ma Sarah,
Depuis que je te connais, ton sourire me plaît et jamais ne me lassera. Dans ce monde fragile, ce dont je suis certain, c'est que parmi toutes les filles, tu es celle qui me convient. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'implore à genoux, Sarah Bernard, veux-tu devenir ma femme? Bien sûr! Bien sûr que oui! Une seconde! Désolée de vous interrompre. C'est urgent. C'est bien ça? Positif. Mais... on va devoir vous l'emprunter. Mais non, et ma bague. Suivez-nous. On a le coffre. Quoi? Et aussi les bagues. Quoi? Oui, mais vous devez venir avec nous. Vite, dépêchez-vous. Hé, hey, ma bague. Ma musique. Ma Sarah. Mon Dino, je n'ai pas besoin de bague pour me rappeler que mon cœur n'appartient qu'à toi. Ma bague. Hein? Où est-ce que vous avez trouvé ma bague? Votre bague? Oui. Cette bague est un très vieil héritage. Elle appartient à la famille Svensson depuis la construction de cette église. On raconte qu'elle nous a été offerte par Alexandre von Broms. Mais que faisait-elle chez Mohamed Kara? Ah, je la lui ai vendue il y a environ un mois, mes enfants. Et j'ai utilisé l'argent qu'elle m'a rapporté pour payer les réparations de notre orgue. Vous avez vraiment fait ça, mon cher Ronnie? Oui, je suis désolée de vous avoir causé autant de soucis. Oh. Mais je voulais juste sauver notre église. Très cher Ronnie, nous vous sommes tellement reconnaissants pour ce que vous avez fait. Au lieu de vous montrer égoïste comme nous, vous avez fait tout votre possible pour tenter de sauver l'héritage de notre ancêtre. Ronnie Svensson, merci infiniment. Dites merci! Oh non, je recommence, c'est ça. Oh, merci, Ronnie. Oui, merci, Ronnie. Merci, Ronnie. Oui, merci, merci mille fois, Ronnie. Ouais. Vous ne croyez pas qu'il est temps d'ouvrir ce truc? Ouais. Salutations. C'est Alexandre von Broms qui vous parle. Un magnétophone qui date de 250 ans avant son invention. Toutes mes félicitations. Vous avez réussi à ouvrir mon coffre. Écoutez. J'en déduis donc que vous êtes restés soudés, comme le doivent les amis et la famille, les von Broms et les Svensson. Tous ou rien. Un message doit désormais être à votre disposition. Qu'est-ce que c'est? Si vous êtes réellement digne de ce présent. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Vous saurez quoi en faire. Alors bonne chance et adieu. De la musique? Ça a dû être composé il y a 250 ans. Ça déménage. Un régal pour mes oreilles. Un nouveau morceau inédit. Ça doit avoir une valeur inestimable. C'est sûr. Non. Désolée. J'ai bien peur que ça ne vaille rien. En tout cas, pas assez pour sauver notre église. Eh bien, on dirait que cette fois, c'est terminé. Oh, le concert! Le public attend pour entrer. Accordez-nous 5 minutes encore. Vous êtes sûr? Richard va pouvoir jouer? Non, je ne jouerai pas. Mais Wesley, oui. Waouh! Ah oui, on peut dire waouh, en effet. Maintenant, on va devoir se faire appeler, si ça vous va, le trio von Broms. Oui, ça me va très bien. Non, ce ne sera pas nécessaire, en fait. Je crois que je vais suivre une voie différente. Oh. Oh. Richard, si tu savais à quel point je suis fière. J'adore Ricky B. Moi aussi, tu te déménages, Ricky B. Si vous êtes digne de ce présent, vous saurez quoi en faire. Maya! Ronnie, j'ai une idée. Viens avec moi, on va essayer. Mais...
Bienvenue à tous pour cette soirée qui sera la toute dernière organisée dans notre belle église. Merci à vous d'applaudir comme il le mérite, le merveilleux duo Von Brahms qui nous fait l'honneur d'être là. Bravo. Merci, merci à vous, merci. Nous vous avons réservé une surprise tout à fait spéciale, un nouveau morceau composé par notre illustre ancêtre, Alexandre Von Brahms. Maestro, à vous l'honneur, je vous prie. Ton doigt. La nuit, le jour, je travaille dur. Faut bien payer toutes les factures. C'est si triste. Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'aux doublures. Quel dommage. J'ai rêvé d'un plan d'enfer. Si je dégotais un Rockefeller, j'aurais plus besoin de trimer. Je pourrais dépenser sans compter. Oh oh. Encore moi.